Avec les éléments que l'on connaissait, il est un fait évident, et sans évidemment je dire à Pierre que ce soit, mais si c'était un concurrent qui rachetait Fortis, il est clair que pour nous, d'un point de vue social, où l'élément quand même prioritaire est aujourd'hui l'emploi, il est un fait qu'on risquait une rationalisation, problème qui n'est pas écarté aujourd'hui, mais pour lequel, en tout cas, vis-à-vis des éléments que nous avons à cette heure, en tout cas à notre disposition, il semble que des garanties soient offertes pour le personnel, de l'entreprise. Trésorerie vraiment importante, et notamment même, je pense. Nous savons simplement, en tout cas à l'heure qu'il est, que l'argent est disponible, donc les capitaux dont le gouvernement a parlé sont déjà disponibles. Ce matin, au niveau du conseil d'entreprise extraordinaire, la direction s'est vue rassurante quant à l'emploi. Et de ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a aucun conditionnement entre l'apport financier et un quelconque plan de réorganisation ou de restructuration. Parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup à y gagner. Maintenant, je dirais aussi.